Descends, assois-toi. Bonjour, Danick. Noli, bonjour. J'ai fait ce direct. Je peux dire que ce direct est un peu improvisé. Il y a une dame qui vient de me faire un message. Comme on vous parle, vous ne comprenez pas là. On vous parle, vous dites que vous ne comprenez pas là. Je n'ai plus qu'à me sentir désolé pour la dame. Il y a beaucoup de scammers qui vont aller vous contacter en vous disant que j'ai vu quelque chose sur toi. Si vous avez l'argent que vous allez donner aux gens, pourquoi ne pas te donner un orphelinat? C'est quoi cette affaire que tu restes? C'est quoi cette affaire que tu restes? Tu dis que quelqu'un reste, il te contacte en inbox. Un monsieur que j'ai lavé sa fille, ça fait 2 mois. Elle voulait faire ses papiers pour partir aux États-Unis. Il reste, il m'appelle. Il m'appelle d'abord. Je ne décroche pas. Je lui écris, je demande, est-ce que monsieur ça va? Il me rappelle. Il me dit, je voulais vous parler de vive voix. Parce que vous m'avez écrit sur Messenger en me disant que vous avez vu quelque chose sur moi. Et moi, je n'aime pas tourner autour du pot. Moi, j'aime qu'on parle directement. Me suis rendu compte que ce sont les scammers. Les scammers là sont nombreux. Ils sont pleins ici dehors maintenant. 30 minutes, même pas 30 minutes, 20 minutes après que le monsieur me parle, une autre jeune fille me contacte. C'est son histoire, elle, que je vais vous raconter maintenant. Votre problème, c'est que vous n'aimez pas quand on vous dit la vérité. La majorité des témoignages des gens que vous voyez sur ma page, la personne m'a dit que j'ai pris tel produit, je suis rentrée, j'ai utilisé le matin et le soir. Le matin et le soir. Le matin, très rarement, vous allez voir quelqu'un va vous dire, oh, la reine Jocelyne m'a touché et je suis rentrée le soir, on m'a demandé un mariage. J'ai rencontré l'homme de ma vie le soir. Non, non, non. Arrêtez de chercher les miracles instantanés. On vous a dit que la vie est facile. On vous a dit que la vie est facile. Tu restes, tu es sur Facebook comme ça là, je t'écris. Je te dis, j'ai vu quelque chose sur toi. Il faut que tu me donnes 30 000. Je vais enlever tous tes problèmes. Te voilà. Tu commences à chauffer. Elle a dit qu'elle a vu. 30 000, tous mes problèmes vont partir. Tu commences à demander. Oui, mon nom va venir. Oui. Mon business va marcher. Oui. Je vais avoir le visa. Oui. Je vais avoir le visa. Oui. Vous êtes bête. Vous avez saoulé. Réfléchissez. Même si vous ne m'avez jamais contacté et que vous n'allez jamais me contacter, s'il y a une chose, c'est que vous allez avoir la sagesse sur ma page. Vous allez avoir la sagesse. Normalement, tu vas même arriver, même chez un marabout comme ça là. Quand il va parler, tu vas l'observer. Tu vas voir les promesses qu'il te fait. La majorité d'entre eux, non, couche-toi, ne fais rien, ne jeûne pas. Les marabouts vont vous dire, ne jeûne pas, ma chérie. Ne jeûne pas. Il y a une femme qui m'a approché comme ça. Elle me dit que son marabout jeûnait pour elle. Il parlait à ses ancêtres pour elle. Mais vous, c'est quelle folie dans laquelle vous entrez comme ça? Donc il est devenu ton Dieu. Par an, elle ne dépensait pas moins de 40 millions sur cet homme.
de 40 millions. L'école de ses enfants, c'est elle qui payait. La voiture de monsieur, quand il est fatigué de sa voiture, papa, il me faut la voiture. Noël comme ça, là, alors c'est grave. Elle va sortir même 10 millions pour Noël. À la rentrée, 10 millions. Et elle paye, vole à son mari et cache. Elle dit que c'est pour acheter le terrain. Quand il reste, il lui manque un peu l'argent. Il lui dit, j'ai vu ta grand-mère en songe. Elle est venue me dire qu'elle est fâchée avec toi. Et tu sais que ce n'est que moi qui peux parler à ta grand-mère, non. Ce n'est que moi. Ta grand-mère t'a aimé, elle t'a éduqué, elle t'a élevé. C'est un homme que tu as rencontré au hasard. Elle va maintenant te laisser en voiture par là, là. Vous-même là, c'est vous qui cherchez. Au tchon. Merde. Heureusement que celle-ci-là, elle n'était même pas... Elle était honnête quand elle m'a appelé. Elle m'a contacté, ça fait 4 semaines. J'étais au village, je faisais le travail des gens. Et vous me connaissez. Si vous m'avez déjà parlé, vous savez que je ne prends pas la pression. Mon homme va revenir demain. Est-ce que mon fils va revenir? Je vais le genre de travail qui va faire que mon fils va revenir. Beaucoup d'entre vous, je vous ai remboursé votre argent. Si tu viens derrière moi, tu commences à me mettre la pression. Je te dis que cache, je te dis non. Tu es au mauvais endroit, mauvaise personne. Va te faire scammer ailleurs. J'ai une réputation à protéger. Je sais là où je pars. Et je connais qui m'envoie. Elle me contacte. Comment dire, il y a souvent des gens très chanceux. Belle femme. Très belle femme. Tu vois, j'ai des femmes qui ne manquent de rien. Tu la vois comme ça, là, sa paume d'abord là. Tu sens qu'elle se lave avec l'eau tanguy. Je lui fais la consulte. Elle a mon âge. Donc, je lui dis que mamie, si tu parles, je te consulte la semaine, 2 jours après que tu aies payé ta consultation chez moi. C'est que ton étoile d'abord même est ouverte. Non, non, moi, il veut que ce soit toi qui fasses, tu fasses tout pour moi. Moi, il ne veut pas faire. Je lui dis, lave-toi avec le sel. Je vais t'avouer, il faut que tu fasses un kit. Prends le kit, tu fais la prière, tu jeûnes, tu fais. Non, moi, il veut que tu fasses tout. Je ne veux rien faire. Il dit, voilà les gens qui sont ouverts pour le scam. Mais tu ne vas pas tomber sur moi, je ne vais pas, ma chérie. Pour tes $500. Tu as menti. Je la consulte. Je lui dis ce qu'il y a à faire. Elle dit d'accord. Le même jour, pendant la journée, elle envoie l'argent. Avant qu'elle envoie, c'est le jour où je partais à l'eau pour faire les offrandes. Je commence son travail. Le même jour, je lui dis que ma chérie, il y a des gens qui payent, ils attendent 2 mois avant que je me lève pour aller faire leur travail. Je parle avec toi à 9h, à 11h, je suis en train d'envoyer ta vidéo, ma chérie. Et je connais le travail que je fais. Un scammer, c'est quelqu'un qui vient pour t'escroquer. C'est un escroc. C'est un escroc. Vous en avez plein. Le lendemain, il me contacte. Oui, comme tu as fait hier là, ça va marcher quand? Oh, après demain, il me contacte. Je lui dis que ma chérie, je ne fonctionne pas comme ça. Je ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas toi qui me dis mon travail. Je connais ce que j'ai fait. Si je te dis que le travail que j'ai fait là, à soi, toi, tu attends. Et je lui dis que quand tes portes vont s'ouvrir pour le premier travail que j'ai fait, c'est là que tu vas faire la deuxième étape. La deuxième étape sera un peu plus chère que la première. Mais tu dois attendre. Au moins tous les 2-3 jours, la femme écrivait. Il y a des moments où je voyais ces messages, je n'ouvre même pas. Vous me connaissez, non? Je n'ouvre pas. J'ai 1000 messages non lus, 1300 messages non lus. Elle écrit. Oh maman, dis-moi. Oh, il faut que tu m'aides. Oh, madame. Je lui dis que ma chérie, j'ai déjà travaillé. J'ai déjà commencé ton travail. Laisse les choses faire leur coup. Tous les mercredis, on jeûne, non? Est-ce qu'elle a fait. Elle ne rejoint pas le jeûne. Elle ne fait rien. Hier, je vois, elle m'écrit. Oh, je vais mourir. Oh, je dis que, aujourd'hui, dans mon repos de l'après-Noël, je vois, elle m'écrit. Elle m'envoie le. Elle m'envoie quoi là? Un message. Elle me dit que, maman, je suis au bord de la mort. Quand j'appelle à te lire le message, elle m'appelle.
Je décroche. Oui. Quelque temps après que tu aies commencé le travail sur moi, mes choses ont commencé à marcher. Quand j'ai reçu l'argent, je savais que je devais t'envoyer l'argent pour faire le deuxième travail. Mais, tu vois, quand je passais sur TikTok, j'ai vu un monsieur qui... Je vais dire son nom. Elle m'a dit qu'il s'appelle le Roi Mage sur TikTok. Oui, il a le Roi Mage. J'ai regardé ses vidéos. Bon, écoutez, je vais raconter l'histoire. Vous allez me donner les feux rouges qu'elle devait voir. Les signes qu'elle devait voir. Comme vous êtes bête là. Hey, Seigneur Jésus. Premier truc, elle dit que quand elle voit ses vidéos, elle like une vidéo. Pendant qu'elle regarde la deuxième vidéo, le roi mage lui écrit à elle. Donc, il écrit à la dame. Voilà le premier indice. Bonjour, je vois que vous suivez mes vidéos. Nya 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 nya. Nya nya nya. Et quand elle a terminé de raconter l'histoire, elle me dit, voilà, comme il répondait plus vite que vous là. Oh Seigneur Jésus. Si vous pouvez entendre ceci, ça fait vous devenir sage. Tant mieux. Comme il répondait plus vite que vous là, moi je me suis dit que c'est bon. Voilà, on a conversé. Il m'a demandé $700 pour faire le travail. J'ai porté les... Je suis allée m'endetter. Donc, elle a porté une dette qui fait que tout argent qu'elle prend, elle va revenir remettre le double. Voilà les esprits négatifs. Je vous dis toujours, quand tu me contactes, tu n'as pas l'argent pour faire mon travail. Il te dit que lave-toi avec le sel. Si tu te laves avec le sel, tu écoutes mes vidéos, tu pries, ton argent ne vient pas. Ne m'envoie pas l'argent. Ne m'envoie pas l'argent. Vous aimez la malédiction, vous aimez ça. Je ne sais pas ce qu'il y a sur vous. Hey. Le pire, c'est que je passe mon temps à écrire sur les vidéos. Je parle. Mais vous c'est les mêmes choses. Tu vas voir que quand un faux profil avait ma photo sur ça, il va t'écrire que je suis la lumière, je suis la reine lumière. Tu me connais? Tu sais qui je suis? Vous vous rappelez de trucs sur TikTok là, non? Que le feu, c'est quoi? Vous allez porter vos mails, vous allez écrire à la personne. Hey, que la reine Jocelyne a vu. Elle a vu les choses sur moi. Elle part, elle s'endette. Elle prend $700 pour remettre $1,500 à la fin du mois. Voilà la première chose. Je vous dis. Moi, je vous dis. Vous-même, vous connaissez. Quand vous consultez, je vous dis toujours. Si tu commences à dire que oh, c'est beaucoup, je te dis que ma chérie, prends même un an pour faire ton travail. Mauvais indice, la personne va te dire que va prêter l'argent. La personne te met la pression. Pour moi, vous connaissez. Je ne vous poursuis pas. Tu m'écris, je ne t'écris pas. Et quand tu m'écris, je te réponds quand on m'a dit de te répondre. Elle apporte le premier agent, elle envoie. Vous savez que les gens n'en sont jamais satisfaits, non? Le monsieur commence à lui donner, poser des questions. Ok, tu veux quoi? Je veux que telle personne m'aime, je veux que telle personne soit à mes pieds. Vous connaissez, quand tu me dis ça dans la consultation, il peut te gifler. Go, tam fait-on. Vous avez compris ce que ça veut dire, non? Ça veut dire que j'avais été giflé. Là, voilà. Je veux que tel homme m'aime. Et il demande qui? Bête! Ma chérie, je sais que tu as regardé la vidéo aussi. Je te dis, bête comme tu es. Donc voilà, tu prends la photo de la personne qui dit. Tu prends le numéro de la personne que tu veux qu'il t'aime. Tu prends tous les détails, le nom même de la personne que tu veux qu'il t'aime. Tu envoies. Kounia. Tu m'envoies son profil TikTok, sa photo, son numéro WhatsApp, tous les détails. Jesus. On peut être bête comme ça, Adama. N'oubliez pas aussi que certaines de ces personnes-là, ils travaillent avec les Écosses. Donc quand il vous dit, lui-même il fait son bain d'urine.
Elle envoie les détails. Il s'est assuré de prendre au moins 3-4 contacts de la fille. Il bâtissait son... Et je suis sûr que l'homme-là n'a pas fait ça seulement à une personne. Je suis sûr qu'il n'a pas fait ça seulement à une personne. Vous le connaissez pour aussi lire les gens. J'ai regardé les vidéos du gars, j'ai dit que mais vous aussi, vous êtes tellement bête. Tu vois que quelqu'un sort de nulle part. Tu vois l'environnement dans lequel il fait. Tu sens que le gars, là, il n'a pas l'argent pour manger. Parce que la prospérité, c'est quelque chose qui émane de toi. Ce n'est pas parce que tu as les habits des riches. Non. C'est quelque chose qui est dans toi. How can I say this? Quand tu vois quelqu'un qui est envoyé, la personne ne tremble pas devant ton argent. C'est pour ça que vous vous plaignez souvent quand vous partez chez les marabouts. Ils habitent dans des maisons qui ne sont pas si fameuses. Parce qu'ils ne tremblent pas devant ton argent. Tu vois sa petite maison que tu le vois dedans là. Il est bien, he is happy. Donc quand tu vois un marabout déjà, il est dans sa maison, mais il te dit déjà que non, aide-moi à construire ceci sur ça, aide-moi à mettre le toit là-bas. Doute déjà de la personne. Parce que l'une des caractéristiques de ces personnes-là, c'est qu'elles sont content, c'est-à-dire elles sont satisfaites, elles sont pleines, remplies. Et s'il faut même que ces personnes aient quelque chose, c'est son Dieu qui va lui donner, ou ses ancêtres, ou ces gens avec lesquels il travaille. Ce n'est pas toi. J'ai eu des gens qui m'ont vu, me disent, oh, j'ai un père au village là, qu'il travaille pour moi, c'est moi qui arrange sa maison, je donne la nourriture chez lui par mois, j'envoie ses enfants à l'école, je dis, mais ça c'est quoi ça? What the F is this? Soyez aussi sage, non? Soyez sage, non? Revenons à l'histoire de la Mbutuku. Vous savez ce que Mbutuku c'est, non? Oui. Là, voilà. Elle porte cette sang, elle envoie. Elle porte les photos de ces gars-là, elle envoie. Les profils, tous les contacts des gens qu'elle veut que les gars-là l'aiment, elle envoie. Après, elle lui dit, envoie-moi une photo de toi nue. Et Marabout qui vous dit que déshabille-toi, tu viens devant moi là. Hey! Hey! Oh! Tu envoies, tu vas donner ta fille chez le Marabout qui travaille sur elle. Ta belle fille de 15 ans là. Hein? Certains d'entre vous, hein, vos enfants sont à un âge où tu vois les seins de l'enfant sont en train de se développer. J'ai une jeune femme qui est venue l'autre jour se laver ses enfants. Elle avait 5 enfants. 2 filles. Donc tu vois déjà des jeunes filles qui sont entre 15 et 17 ans là. Belle. Je dis que souvent les mères ne connaissent pas comment elles exposent leurs enfants. Vous voyez comme je suis, non? Imaginez-moi à 16 ans. Comme j'ai accouché, jusqu'à mes seins ne sont plus bien, bien debout là. Imaginez un peu une fille brune comme moi, belle comme moi, 16 ans. On te prend, on te donne un père de 45 ans. Pas, il va te laver. C'est pour ça qu'on abuse de vos enfants. Je ne veux même pas rentrer dans le détail de l'autre là. C'est pour ça qu'on abuse de vos enfants. On leur fait des attouchements qui sont pas appropriés. Imaginez si un homme comme ça peut faire ça à l'enfant. À la mère d'abord. Il fait ça à la mère sans que la mère ne parle. Combien de fois à l'enfant? Et l'enfant va savoir que c'est ma mère qui a dit qu'elle parle aux voix aussi. Voilà l'enfant. Tu déposes l'enfant, ton enfant devant lui. Tu sors, tu pars. Après tu demandes qu'il a fini. Tu as fini. Tu dis, Eve Pasteur dit, le bain du urine est super. Papa, je vais seulement continuer de prêcher ici, là, non. Ceux qui veulent qu'on les traite, ceux qui veulent qu'on les vole, qu'on les escroque, on va vous escroquer. Et je vous demande de faire le bain du urine. Ceux qui font le bain du urine, ce n'est pas payant. Tu fais avec ton sel de la cuisine, tu ne payes rien chez moi. Ne viens me rien, ne donne pas ton argent. Fais ton bain avec ton urine. Ton argent va commencer à monter. La femme porte sa photo nue. Elle envoie, monsieur. Jesus.
Après quelques temps, après de peut-être 2 jours, il lui dit, l'argent que tu as envoyé ne va pas suffire. Envoie encore $500. Elle dit, papa, je me suis déjà endettée pour payer le double dans un mois. Pour les $700. Tes $500 là, je ne peux pas. Elle part, elle gratte encore, elle subit à gauche, à droite, elle cherche encore, elle trouve $300. Elle porte, elle envoie. Donc, il a son argent. Il a sa photo nue avec son visage. Il a le contact de ses proches. À votre avis? À votre avis, qu'est-ce qui va se passer après? Racontez-moi la suite du film, s'il vous plaît. Parce qu'elle était impatiente. Elle me dit, quand tu as fait ton premier travail, vraiment, en un mois, j'ai rencontré les hommes riches. Vraiment, j'ai même commencé à sortir avec un, là, vraiment, ça a commencé à marcher entre nous. On m'a donné l'argent. Et mais ma chérie, qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Parce qu'il répondait vite. Parce qu'il t'a dit qu'il va te donner tout ce que tu disais, que je veux. Il t'a dit qu'il va donner ça en 3 jours. Je vais faire, ils vont t'aimer. Je vais faire, ils seront à tes pieds. Je vais faire, ils vont te donner l'argent. Devinez. Il retourne la situation directement. Il dit, envoie-moi maintenant 3 millions de francs CFA. Il ne demande plus les $1000. Il ne demande plus. Il veut maintenant que $4000. $5000. Que si tu n'envoies pas, tu sais ce que je vais faire. Je prends ta photo, mets sur les réseaux. Je contacte les hommes là, tes dragueurs là. Je les contacte. Elle reste 2 jours plus tard, un de ses dragueurs l'appelle. Il dit qu'il y a un homme qui m'a appelé, s'il te plaît. Il a d'abord contacté, il a envoyé les photos de la fille, il a envoyé tout. Les captures d'écran de ce qu'elle demandait qu'on fasse lui. Il demande l'argent à l'homme. Il demande l'argent à la femme. Oh putain. Brava. Brava. Il m'appelle. J'ai fait comment? J'ai ma chérie. Tu m'appelles encore pour moi? Tu m'appelles pour moi? Heureusement que toi, dans ton cœur, là, ton cœur est... Heureusement que ton cœur est pur. Parce qu'une manipulatrice allait m'appeler comme ça, elle a commencé à faire semblant que genre, non, c'est lui qui est venu vers moi, c'est lui qui a fait, il m'a menacé, non, il ne t'a pas menacé, tu as porté ton argent toi-même, tu as envoyé. Mm-hmm. Bonjour Charles. Le travail spirituel prend du temps. Si tu as 35 ans, on t'a bloqué depuis ta naissance. Ça veut dire que tu as les blocages même de ta mère qui sont sur toi. Tu as pour ta mère. Tu as pour ton père. Tu as pour toi. Donc tu as au moins 60 ans de blocage sur toi. Tu penses qu'en 3 jours, on va retirer tout ça? Hein? On te dit jeûne, fais le jeûne un jour par semaine. Non, moi je veux que tu fasses tout pour moi. Fais tout, tu me dis seulement. Non, envoie-moi seulement les nouvelles, tu me dis que c'est fait. C'est comme ça qu'on vous porte ici dehors. Elle a expliqué, expliqué, expliqué. J'ai dit d'accord. J'ai compris. J'ai donné les directives qu'il pouvait donner. Et puis bon, on va faire ce qu'on a fait. Mais première chose que je lui ai dit, c'est que si ça peut te permettre, selon, je ne passerai pas sur ce sujet, ma chérie. Tu as compris? Tu as besoin de ça, tu prends une consultation. Voilà.
Vous devez comprenez que tout dans la vie, c'est step by step, step by step. Quand je vous parle du bain d'urine, je n'ai pas inventé le bain d'urine. Quand tu prends ton bébé, tu te laves avec. La personne qui a acheté Exterminator, quand tu as acheté, tu n'as pas demandé le mode d'emploi. Comme tu viens de demander sur le direct de Facebook là. Ouais Seigneur, qu'est-ce que je peux faire sur vous? Qu'est-ce que je peux vous faire? Je vous fouette. Tu achètes, tu prends, tu déposes à la maison depuis. C'est quand tu vois le direct que tu te dis, ah on utilise même ça comment? Je ne veux pas être suivi par les gens qui sont ouverts à la bêtise. Donc, je profite déjà de ça pour vous annoncer qu'on va jeûner mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Donc, on va jeûner mercredi après-demain là. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi. 4 jours de jeûne. Je ne mettrai pas le premier parce que c'est que le premier, vous devez manger. Donc, ça ne sert à rien que de dire que tu jeûnes le premier. Tu vas aller à la fête ou tu vas préparer la nourriture à la maison, tu ne vas pas manger toi-même, ça ne sert à rien. Ceux qui sont vraiment désespérés, faites le jeûne sec. Commence ton jeûne sec mercredi. Tu fais mercredi, jeudi, vendredi. Fais 3 jours. Ne fais pas 4 jours de jeûne sec. 3 jours de jeûne sec. Soit le premier jour, tu fais un jeûne normal. Et les 3 autres jours, tu fais le jeûne sec. Soit tu fais d'abord 3 jours de jeûne sec. Et puis le 4e jour, tu fais le jeûne normal. Quand je dis normal, c'est de 6h à 18h. Si vous avez une condition particulière de santé, c'est-à-dire, si tu es enceinte, si tu es diabétique, tu es hyper tendu, tu es sur médicaments, un de ces 4 trucs là, ne jeûne pas. Tu as le mal d'estomac, ne jeûne pas. Ne viens pas tester pour voir comment Dieu est. Oh, c'est parce que la reine Josephine avait dit, je ne sais pas, ne t'es pas moi sur ça. Comme ma grand-mère disait, mon côté nion. Voyou. Voilà. Tu l'es, je crois. Mademoiselle. Si tu es à l'aide, ne jeûne pas. Si tu jeûnes en allaitant, l'enfant va manger quoi? N'est-ce pas quand tu manges 3-4 heures de temps plus tard, tu sens ça dans ton sein. Si tu jeûnes en 3 jours, l'enfant va manger quoi? Hop. Pardon, je vous en prie. À moins que tu ne veuilles sauver ton enfant. Mais vraiment, le... C'est que vous aimez les choses comme ça. Le jeûne sec, c'est 3 jours, c'est-à-dire 72 heures. Comptez 72 heures. Si tu commences à 18 heures aujourd'hui, sache que tu vas manger à 18 heures dans 3 jours. Si tu commences à 6 heures, sache que tu vas manger 6 heures dans 3 jours. Moi, je compte 72 heures. Je ne veux pas savoir le nombre de jours. 72 heures. Sans boire ni manger. Ne paraissez pas désespéré. Ne paraissez pas désespéré. Souvent, ils voient les gens. Ce matin, j'ai même enlevé une femme du groupe. On a un groupe de prière. Je l'ai enlevée du groupe parce que. Elle dit que ça fait depuis 2018. Je suis la 3e personne qu'elle suit. Spirituellement, elle fait ce que j'ai dit, tout ça là. Et quand tu vois son message, c'est genre, Jésus dit, ma vie ne marche pas, rien ne va dans ma vie. Wow, wow. J'ai dit que, yay. Tu viens de dire que c'est depuis 2018, ça fait que ça fait 4 ans, tu vas à ta 5e année. Que tu dis que les gens te suivent spirituellement. Et tu es en train de parler comme ça. Non, non, non.
Parce que vous pensez toujours que votre force ou votre libération, c'est dans quelqu'un d'autre. Vous pensez que votre solution, c'est dans les mains de quelqu'un d'autre. Tu peux t'asseoir, tu prends ton sel, le sel, tu mets dans l'eau, tu lis tes psaumes. Tu décides, tu fais un jour de jeûne, deux jours, voilà trois, voilà la fin d'année. Fais trois jours de jeûne. Seigneur, bouge telle situation dans ma vie. Je vais voir si Dieu là ne va pas bouger. Vous aimez toujours, non, je veux que tu fasses tout pour moi, ma reine. Non, not me. Une dame a fait un témoignage, ce matin je me réveille, elle est au Canada. Elle me fait un message, elle me dit, c'est depuis décembre 2021 que je te suis. Et depuis 4 ou 6 ans, je ne connais pas bien le nom, c'est 4 ou 6 ans. Tu ne me connais pas, hein? Okaja. Voyou. Il dit que les femmes enceintes ne jeûnent pas. Commence par ton sel et tes urines. Quand tu as l'air, tu prends un kit. La dame m'écrit, elle me dit depuis. Je vais prendre le chiffre 6 alors. C'était entre 4 et 6 ans. Elle me dit, c'est depuis décembre 2021 que je t'écoute, je te suis et je mets en pratique les enseignements que tu donnes sur ta page. Vraiment, c'est une dame qui paye fidèlement sa dîme. Tu n'as pas besoin de... Elle n'a pas besoin de décrire. Il y en a un. Elle sait que si j'ai ma dîme à payer. Je reçois mon salaire, je paye ma dîme. J'ai mes jeunes à faire. Voilà mes enfants. Elle écoute, elle fait, elle met en pratique. Souvent, elle va réserver ce conseil-là. Une fois tous les trois mois, elle m'écrit, elle me dit... Voilà, Dieu m'a révélé ça par rapport à tel de mes enfants. Je me rappelle, j'avais consulté peut-être en janvier. Je crois janvier, maximum février. Et sa vie, vraiment, c'est la cata. Son enfant ne lui parlait pas depuis des années. Il sait qu'en Europe, là-bas, quand l'enfant dit qu'il veut plus te parler, les blancs, même, on lui donne sa maison, il parle, c'est là-bas. Donc, dans le message de ce matin, il dit que ça faisait 6 ans que son enfant n'était pas passé chez elle. Et elle dit qu'hier, il a passé Noël chez elle, à la maison. Josiane. Si tu veux le quitter, écris sur le numéro que tu vois sur la page là-bas. J'ai les scammers. Il n'y a pas de féman ici là. Je n'ai pas de kit sur moi. Moi voilà comme ça. Je suis dans ma maison, je n'ai pas de kit sur moi. Écris, il y a les numéros de renseignement. Tu écris bonjour, le kit c'est combien? On va te dire le prix. Tu as compris, non? Si vous venez d'arriver sur ma page, vous devez être civilisé. Parce que pour vous là, c'est quand c'est la spiritualité, ça veut dire que c'est dans les autres. Je coupe l'argent, je suis désespéré. Je viens constater que je vais voir quelqu'un qui va demander, mais je vais arrêter ça, arrêtez. Je vais vous bloquer même. Et là, elle me dit, hier qui est Noël, depuis 6 ans que son fils n'est pas passé chez elle, hier il a passé toute la journée à la maison, chez elle, et... Ceux qui sont dans le groupe, je ne sais pas, j'ai envoyé le message, mais je me rappelle des mots exacts. Et elle dit que son fils était en train de lui dire comment il faut qu'il commence à s'occuper d'elle, il lui achète une voiture, comme ça il va penser à sa retraite. Et là, elle dit, waouh, je reconnais l'enfant que j'ai accouché. L'enfant, s'il a eu des crises de dépression. C'est parce que quand j'ai envoyé le témoignage dans le groupe, je n'ai même pas mis les antécédents de cet enfant. C'est un enfant qui restait comme ça là. Mais les crises de dépression, on l'a qualifié de bipolaire, on l'a qualifié de ceci. Voilà que l'enfant reste après 6 ans, qu'il vient, il s'assoit à table à Noël. Il commence à dire que maman, il faut que tu achètes telle chose. Maman, tu sais, quand tu seras à la retraite, il faut que je m'occupe de toi. Mais c'est même pas si vous savez un peu ce que ça fait psychologiquement pour quelqu'un, émotionnellement. Elle fait son travail. Quand il y a la révélation, Dieu lui montre, il montre effet. Il montre effet. Elle a fait une lecture de destinée au mois de novembre. Au début de décembre, entre ces deux-là.
Et les lavages, tu connais les lavages comme ça, une fois tous les 2-3 mois, elle prend les lavages pour toute sa famille. On fait les lavages à distance. Et là, vous savez que la lecture destinée, c'est quelque chose que je fais très très rarement. Parce que quand tu n'as pas commencé ton travail spirituel, lis ton énergie, ça sera délicat. Pendant la lecture de destinée, tout ce que je lui disais, elle restait comme ça, elle disait, waouh. Que ça sont les choses que le Seigneur m'a parlé, ça fait tel nombre d'années, c'est une femme qui est dans la quarantaine. Tel nombre d'années, j'ai hésité, j'ai laissé tomber, j'ai cru que Dieu avait abandonné. Mais là, je sens que c'est en train de revenir. Et cette fois, ça vient. Tu sens que ça vient avec assurance. Tu sens que ça vient avec assurance. Et avant-hier, une autre dame a posté son témoignage par rapport à son fils. Son fils était parti de la maison, ça fait 6 mois. Cette dame-ci, elle est en Europe. Et en ces 6 mois-là, l'enfant n'est pas passé à la maison depuis. L'enfant n'est pas parti à la maison depuis. L'enfant ne lui parlait plus. Elle a commencé ça, je crois que c'est en août, hein. Elle m'a envoyé les premiers, tout, elle m'a envoyé les premiers messages de contact, consulter. Elle a même payé la consultation via Bijou, je ne l'ai jamais consulté. Parce que son énergie était gâtée, gâtée. J'ai l'impression qu'on t'a gâtée. Elle insiste, elle dit, maman, je ne sais pas ce que j'ai fait. Ouais, je lui dis que ma chérie, là où tu es là, lave-toi avec le sel. On jeûne une fois par mois, non. Fais, par semaine, non. Fais les jeûnes. Quand tu peux, paye, on fait un travail ici pour suivre ton fils. Mais pour l'instant là. Et je disais toujours que tu étais patiente. Je me rappelle, elle a fait une période là. Elle est restée même 2 mois. Chaque fois qu'elle m'écrivait, je disais que c'est pas bon. L'autre jour, je suis partie au village, j'ai travaillé sur son fils. Joël Noël, j'ai travaillé sur son fils. Dimanche. Jeudi, elle m'écrit. Elle me dit que hier mercredi, mon fils m'a écrit. Il me dit qu'il veut venir à la maison. Alors que ça fait 6 mois que l'enfant n'est pas passé à la maison. Et ce jeudi-là, l'enfant est arrivé à 11h. Il est arrivé vers 11h à la maison. Il est entré. Il est resté un peu au salon. Après, il est monté dans sa chambre qu'il avait abandonnée depuis 6 mois. Parce que les gens qui sont en Afrique, vous ne pouvez pas comprendre ce que les gens de l'Europe subissent avec leurs enfants. C'est comme si le système au plein là, c'est comme si ça rend ton enfant fou. C'est comme s'il y a quelque chose là-bas. Et tu sais que quand l'enfant est là grand, tu ne peux rien faire, maman. Tu vas seulement laisser ça regarder. En plus, quand tu es une femme, vous voyez, c'est tous les cas des femmes avec des enfants. Parce que le système s'arrange pour que l'homme parte. Ça, c'est encore tout un autre enseignement là-bas, tout un autre problème là-bas. Je ne veux pas entrer dedans. Tu restes avec 3 enfants, 4 enfants. Et parfois même l'homme est présent, mais il ne fait rien. Financièrement, tu dois gérer les enfants. Tu dois les conseiller, t'assurer qu'ils étudient. Et tu dois aussi les spirituellement, tu dois encore travailler sur eux. Parce que quand tu dis ça, l'homme dit, ah, quitte là-bas. Le travail spirituel, c'est quoi? Sa tante est en train de gâter tes enfants. Ou bien ta propre tante est en train de gâter tes enfants. Elle dit que l'enfant est monté. Il est monté dans sa chambre, il a dormi. Il a dormi. Après, il s'est lavé. Elle écrit, elle dit, maman, je n'en reviens pas. Mais je sais que c'est le début, c'est en train de commencer. Je crois qu'elle a écrit, c'était hier pour Noël ou avant-hier. Elle me dit que ça fait 3 jours qu'il est à la maison, 2 ou 3 jours qu'il est à la maison. Donc, comme il est venu là, son corps, parce que souvent, c'est comme si on a lancé la bombe dans ta maison qui fait que ton enfant, il est dégoûté. Mon cœur va tellement pour ces femmes-là. Hein. Parce que tu fais tout en même temps. Tu es au four et au moulin en même temps. Parfois, tu as laissé l'enfant payer à quelqu'un. Tu cours, tu pars en ligne. Tu arrives là-bas, il faut que tu te battes pour envoyer l'argent à la personne pour qu'elle ne tue pas ton enfant. Tu envoies l'argent pour qu'on paye l'école de l'enfant. Parfois, on te prend même 8 000 euros pour faire les papiers de l'enfant. Tu as dépensé même au moins 20 000 euros. Tu as fait chaque fois que tu fais, ça ne passe pas. On prend l'argent pour te dire que le réseau n'a pas marché. Tu as encore un peu espoir. Finalement, quand tu te casses, l'enfant là vient. Il te trouve sur place. Il arrive qu'on l'a déjà gâté. Tu regardes ton enfant comme ça, tu dis, yeah, ça c'est pas l'enfant que j'ai accouché. Écoutez, il y a le travail sur ça, mais je vous dis que ce n'est pas sans espoir.
Ce n'est pas sans espoir. Je vous donne les témoignages de ces mamans-là pour que vous compreniez. Parce que j'ai une autre là que vraiment, pour elle, je sais que ce sera. Quand j'ai commencé le travail de cette dame-ci, celle-ci, hein, celle-ci jusqu'à présent, c'est bizarre. On m'a dit que c'est bizarre. C'est même encore résolu. Tu veux la laver dehors, ici là. Oui. Quand tu veux faire dehors, tu me dis, on va le mettre là-bas dedans. C'est bon déjà. Tu as fini la laver là. Oui, mets dans la poubelle, s'il te plaît. Oui, poubelle. Celle-ci, c'est depuis au moins juin. Elle me dit que ma fille et moi, c'est couteau tiré. Couteau tiré, ma fille et moi, jusqu'à la mort. On a déjà, on fait le travail. Dès que tu fais un travail, on s'est dit que, hey, ma fille me parle. Que j'ai passé 3 jours à la maison avec l'enfant, si elle me parlait, elle était gentille. Une semaine et demie plus tard, l'enfant a changé. Et tu la vois, une belle fille. Manipuler. Parfois, vous avez des choses qui viennent de vos mères. Ça vient de vous. Vous ne savez même pas. Parfois, ça vient du père de l'enfant là. Tu t'es séparé physiquement du père, mais il y a des fondations qui parlent sur l'enfant. Elle fait. Après, elle se fatigue. La mère là même se fatigue. Je lui dis que ma chérie, mamie, c'est la patience. Quelqu'un te dit que c'est après un an que son enfant vient s'asseoir. Un an de travail. Ça fait 6 ans que l'enfant n'est pas passé chez elle pour Noël. Toi, tu viens, tu te fatigues après 6 mois de travail. D'accord. Fatigue-toi. Tu vas seulement laisser ton enfant, non? Abandonne seulement ton enfant, non, mamie. Mais je sais que vous avez la force en vous. Je sais que vous pouvez le faire. Et j'enseigne aussi ces choses pour les nouvelles mamans. C'est-à-dire ton enfant a 3, 5 ans, 9 ans. Tu as accouché ton enfant, il est avec toi. Il y a des paroles que vous devez parler sur vos enfants régulièrement. C'est bon. Tu veux laver ici dehors? Oui. Ok, ouvre la porte. Quand elle va entrer, tu sors. Ouvre, ouvre totalement. Aurélie? Michel? Appelle-la, elle va venir prendre. Elle va prendre. Appelle-la, elle va prendre le chien. Michel? Michel? Appelle-la, appelle Rennes. Appelle Rennes, elle vient là-bas. Va là-bas, ah, mais quitte-moi. Voilà, ferme la porte maintenant. Je sais que vous avez la persévérance en vous. Vous voyez les papas avec quoi? Il y a l'appel là. Tu prends l'appel, tu mets dans le plastique, tu attaches. Papa là, c'est pas bon, on a pu la trouver là. C'est pas bon. Prends le plastique alors, prends les plastiques, il y a des plastiques. Non, là, pas les mensalités bien. Ah, va à la cuisine, tu prends un plastique alors. Tu ramasses, tu mets le plastique dans ta main. Il faut continuer à écouter les vidéos, tu vois. Écoute seulement les vidéos. Il y a la ménagère qui va nettoyer ici. Là. Elle dérange. Viens là-bas. Viens. Viens. Michel? Viens. Viens. Come and take her, please. Viens. Voilà. Ren, tu déranges, purée. Arrête. Arrête, va là-bas. La chaîne, c'est la déranger. Oui, m'embêter ici. Il faut que je vais me déplacer pour faire mon direct. Rien, tu déranges. Tu déranges. Viens. Viens. Oh. Congratulations. He has given in. Congratulations, he has done it for me. Ok, j'ai fait un rêve avant-hier. Petit à petit, tu vas le faire, non, Zaou? Bon, je vais essayer de terminer ceci. Qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais que je sais que vous avez la persévérance en vous. Donc, ce que vous devez faire, c'est quoi? Quand ton enfant est encore petit, tu dois prendre l'habitude de faire vous devez faire des jeûnes réguliers. Beaucoup d'entre vous, vous ne jeûnez pas. Les prières régulières. Parce que quand tu t'habitues à faire le sel, peut-être, à lavage au sel, lavage au pipi, c'est que si
fais le lavage au sel le matin, je serai forcé de faire une prière le matin. Je fais le soir, je serai forcé de dire une prière le soir. Si donc, vous allez voir que les choses que vous demandez de faire, quand il prend le don, moi, tout sur ma langue, je serai forcé de dire une prière. Et je vous ai appris après, je crois que j'ai encore fait des vidéos sur comment prier. Et dans ces vidéos, je vous ai montré généralement les choses que vous devez inclure dans votre prière. Beaucoup d'enfants, leur mère ne prie pas pour eux. Je vous parlais de la poule. Je ne sais pas, vous avez sûrement un village quelque part. Les offrandes à l'eau, les libations. Tu verses le. Parfois, ton enfant est en train d'arriver, ou bien le jour, il arrive à l'aéroport, ou bien tu prends une bouteille de vin, tu verses. Seigneur, je verse ça pour mon enfant. Je verse ça pour mon enfant. Je demande que tu ouvres ces portes ici, Seigneur. Oui, si les mains brûlent, ça veut dire que tu as des dons spirituels. Solène, tu as des dons spirituels. Je me rappelle de toi parce que je crois que la photo que tu as sur ton profil, c'est la photo que tu avais. C'est exactement comme ça que tu étais sur la photo. Avec les lunettes. Donc, les dons spirituels, ça veut dire que si tes mains chauffent, ça veut dire que tes dons spirituels sont en train de s'activer. Tu dois me connaître que c'est comme ça que moi je parle. Quand vous me voyez sur Facebook, vous croyez que je suis très... Les gens qui me voient physiquement disent qu'ils me voient physiquement, je suis douce. Mais sur Facebook, on a de toutes les qualités. Ce qui fait que quand moi je suis en ligne, je ne blague pas avec vous. J'ai les Decepticons. J'ai les gens qui viennent pour gâter mes directs. J'ai les gens qui viennent seulement pour me tenter. J'ai les gens de ma famille même qui viennent ici là pour me faire des problèmes. Donc quand je suis en ligne, moi je ne blague pas avec vous. Tu fais tic, je fais tac une fois. Même quand les gens m'écrivent sur WhatsApp, je ne sais pas qui est qui. Quelqu'un va t'écrire, tu ne sais pas quelles sont ses intentions. C'est pour ça que généralement, quand les gens me voient physiquement, ils sont surpris. Voilà. Donc, habituez-vous à faire. Il y a un tas de choses que vous devez. Il y a même le travail de l'œuf, par exemple. L'œuf, j'ai des vidéos. Allez en ligne, vous fouillez les vidéos. Vous fouillez. Vous allez voir, il y a une vidéo où j'ai parlé de... Tu prends l'œuf, tu écris tes blocages sur l'œuf. Après, tu casses l'œuf. La cannelle, au début du mois, tu prends la cannelle, tu souffles à la porte de ta maison. Quand le mois commence, au début du mois, tu fais le jeûne pour ouvrir ton mois. Vous n'allez pas faire tout ça. Vous voyez que dans tout ça, je vous demande, il n'y a pas l'argent qui demande tout ça. Il n'y a même pas 5 francs que j'ai dit. Tout ça, c'est d'abord ton travail, avant que tu me contactes. Mais vous allez sauter tout ça là. Reine Jocelyne, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Je ne peux rien faire pour toi. Oh, you are. Bon, j'ai terminé. Hein. Mais oui, non, Louis. Quelqu'un va venir sur les réseaux ici, là, il va commencer à t'insulter. Il ne te connaît pas. Il ne sait même pas parfois ce que tu dis. Hein. Il ne comprend absolument pas. Juste parce qu'il a fait comme ça, il a vu ta tête, il est tombé sur ta vidéo. Il a entré, commencé à dire n'importe quoi. Donc, moi, j'ai une blague par vous ici, là. Bon, j'ai terminé. Hein. Je voulais juste vous prévenir par rapport aux scammers qui vont vous dire qu'ils ont vu les choses sur vous. Je ne vous contacterai jamais. Vous me suivez bien. J'ai dit que quoi? Moi, je ne vais pas prendre mon téléphone, je vais vous écrire. Je ne poursuis pas les gens. Ceux qui sont appelés à moi viennent à moi. Comme Jésus a dit, my sheep hear my voice and they know me. Les brebis que Dieu a amenées à moi, vous connaissez ma voix. Vous me connaissez. Et mon travail, ce n'est pas pour tout le monde. Je ne suis pas pour tout le monde. Comme on dit là, je suis exclusif. Apprenez à être exclusif. Voilà. Passez une bonne journée. J'ai bien précisé, on va jeûner mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Mercredi, jeudi, vendredi et samedi. La fête qu'on devait faire... Moi, je suis fatigué. Vraiment, je vais me reposer. Je vais faire ça en ligne. Donc, je vais annoncer ça sur le groupe. Ici, sur Facebook, très rarement. Je vais faire des posts sur Facebook, mais pas trop. Parce que je veux aussi qu'il y ait trop de personnes. Je veux qu'on fasse un truc où on va mettre carrément 4 à 5 heures de temps. En passant dans la nouvelle année, on va vraiment, je vais enseigner longtemps. Vous allez vraiment, on va comment planifier son futur, comment recevoir les trucs que vous aviez oubliés, comment planifier son année. Qu'est-ce que je vois pour ma fin d'année? Parce que beaucoup d'entre vous, tu dois avoir fait un bilan. Pour commencer, tu commences à avoir le bilan.
Qu'est-ce qui est passé? Ok, voilà l'année-ci, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, le choix final, c'est que je ne vais pas faire de fête parce que je voulais faire une fête où vous allez venir physiquement, mais je ne veux pas. Ça fera trop d'énergie à gérer et je ne veux pas ça. Donc, ce que je veux faire, je vais faire un Zoom. Ce sera une réunion privée sur Zoom. Donc, pour les frais de participation, ce sera 15 000 francs. Oui. Ça, c'est pour chasser les gens, en fait. Je mets l'argent parce qu'il ne veut pas que... Je sais que les gens, comme je disais, 100 000 vont payer. Mais je ne veux pas. Je veux vraiment que ce soit un moment où on va s'asseoir et on va planifier. Et je veux aussi chasser ceux qui veulent... parce que je sais qu'il y a des gens qui vont dire non, c'est la nouvelle année. Moi, je n'ai pas le temps. Si tu n'as pas le temps pour t'asseoir, pour tes rêves, laisse, oublie. Tu ne connais pas ce que tu veux. Vous devez vous asseoir pour voir. Est-ce que je veux me marier l'année-ci? Est-ce que je veux l'enfant? Quel est le chiffre d'affaires que je veux faire? Vous avez beaucoup de choses parce que la Bible dit... My people perish for lack of vision. Quand tu n'as pas la vision, tu rates ta vie. Voilà. Donc, on a le jeûne qu'on va faire, qu'on va sortir du jeûne. Le dernier jour, on aura 4 à 5 heures de temps. On va faire un long atelier. Donc, j'ai dit 15 000 en montant parce que tu peux m'envoyer 50 000 si tu veux. Envoyez ce que vous voulez, mais pas moins de 15 000. Vraiment, je ne veux pas. Ça, c'est aussi pour filtrer. Les gens, quand vous allez partir dépenser 50 000 pour votre chaussure pour aller à la fête, après, vous allez venir pour me donner 5 000 francs pour que je vous aide pour votre futur. Je ne vous veux pas. Vous avez suivi, non? Je ne vous veux pas. Vous ne voulez pas mes gens. Sortez. Donc, vous pouvez payer par PayPal. Vous pouvez payer par Orange Money, par SendWave, par TapTapSend. Tous ces moyens de paiement-là. Vous payez. Il y a les numéros sur la page. Je ne vous contacterai pas. Moi, je vous dis d'abord en avance. Si vous me dites, oh, c'est toi qui m'as écrit, tu m'as dit que tu as vu quelque chose, je ne vois rien sur vous. Donc, je précise bien que ce sera le 31. On va jeûner le mercredi, c'est-à-dire le 28, 29, 30 et 31. On va finir le jeûne le 31 à 18h. Et on va commencer maintenant la soirée. J'aimerais qu'on commence la soirée vers 20h, 21h. Donc, on va passer jusqu'à la nouvelle, on va entrer dans la nouvelle année ensemble. Mais ce sera dans la planification. La visualisation. Voilà. Donc, si vous faites ça, c'est bon. Prévoyez votre argent. Si vous avez à dépenser tout l'argent, il n'y a pas de problème. C'est que ce n'était pas pour vous. Et ce sera les premiers venus, premiers servis. Je veux avoir maximum 50 personnes dans ce truc. Maximum. Je pense que ça va m'aller. Parce que je veux aussi quand même prendre le temps pour vous écouter. Parce que quand je fais des ateliers comme ça, parfois je donne la parole et puis vous parlez. Parce qu'il y a aussi des témoignages qui aident beaucoup pendant ces séances-là. Voilà. Donc, pendant les jeûnes, vous savez comment ça se passe quand on jeûne. On fait les prières à 12h et à 18h. 12h et 18h. Et pour ceux qui jeûnent en sec, qui font le jeûne sec, parfois on fait un peu plus que ça. Donc parfois je vous donne des enseignements un peu plus privés. Et ces enseignements ne sont pas payants, s'il vous plaît. Je vous connais que vous avez tout, l'argent. C'est pour ça que je ne prends pas n'importe qui. Mais le 31, vous devez me payer. Vous ne payez pas, vous laissez. Voilà. Ok. Bye, j'ai terminé. Ce sera sur Zoom. Donc de tous les continents, vous pouvez m'écouter. On pourra faire ça à partir de n'importe où. Vous pouvez me suivre, vous participer au truc. Et si vous êtes assez occupé parce que vous serez en train de faire autre chose, ça veut dire que ce n'était pas pour vous. C'est comme ça qu'on va prendre la vie. Bon, on va se dire quoi? Venez vos témoignages. Il y a beaucoup de témoignages que j'ai reçus aujourd'hui. Donc, envoyez vos témoignages en privé ou bien dans le groupe de prière. Et pour rejoindre le groupe aussi, vous pouvez écrire. On va vous mettre dans le groupe. Mais pour ça, on va d'abord vous poser quelques questions parce que je ne vais pas mettre tout le monde dans le groupe. Sinon, vous arrivez là-bas, vous racontez du n'importe quoi. Marraine, on se fait le lavage au sel comment? Je dis, mais tu as fait comment pour atterrir dans le groupe C? Voilà. Ok. Bien, bonne journée ou bonne soirée. Au revoir à vous.